Et y a tout le monde et bienvenue, c'est Blue et on se retrouve pour l'épisode 60 de ce Let's Play en solo de Monster Hunter Génération. Alors, la dernière fois nous avions fait la quête des 4 condamnés et mine de rien entre l'épisode 59 et celui-ci, donc le 60, eh bien il s'est passé pas mal de choses parce qu'en multijoueur je suis arrivé jusqu'au rang 6, à peu près jusqu'à environ la moitié. En gros, ça se situe après l'épisode 72 du multi, voilà. Ce qui veut dire que, bah, en termes de stuff, tout ça, il y a plein de choses qui ont changé. Et là, on va peut-être commencer à attaquer, du coup, les quêtes de niveau supérieur au village, visiblement. On verra bien si la difficulté est là, si les PV des monstres sont là, leur vie, tout ça, leur puissance. Et du coup, bah, parlons du stuff, parce que c'est quand même important, ça a changé, même pour les chatons d'ailleurs. Alors pour ma part, déjà, je suis en Rathalos S, avec attaque plus 2 points faibles et focus, avec la hache en os, qui est une hache que j'ai améliorée quand même un petit peu pas mal, vous allez voir. Style Bushido, charge rapide 2, et du coup Féline Forgeron, et j'arrive mine de rien à 236 d'attaque, c'est quand même assez important. Normalement elle fait 210, mais vu que j'ai un petit boost d'attaque, forcément voilà. Le tranchant vert est pas énorme, mais quand même largement utilisable. Mon petit talisman, un petit talisman charge plus 5 et critique plus 1. Donc du coup le petit truc de focus va m'aider quand même un petit peu à ce que la jauge de la morpho revienne plus vite du coup. Et puis, bah parlons quand même des minous. Les minous, où en êtes-vous les minous? Alors déjà, on a Yuki qui est niveau 35, donc je crois que c'est... Je sais pas si c'est le niveau max à l'heure actuelle que j'ai. Je sais pas si je vais avoir plus pour l'instant, on verra bien. En termes d'habilité, il y a provocation pour un chouillon, corne de soin, flash boom, corne ultrasonique, canon à châtaigne et méga boomerang, avec 9 en jauge miroudeur. Et en talent, il a défense plus grand, drain de stamina, garde petit, insomnie. Et à part ça, en termes de stuff, Celtas, complètement Celtas, donc à la fois son arme, tranchant bleu 148 avec un petit boost de défense de 5, bon c'est toujours ça, et du coup, voilà les parties, 70 et 126 avec du coup des résistances négatives en feu et glace, mais positifs en eau et dragon, donc bon, pourquoi pas, de toute façon c'est essentiellement pour la défense. Après mon deuxième petit palico, Paprika, qui est niveau 20, bon c'est déjà correct on va dire, qui est un tracker, il est à prison toxique, ou un mine anti-monstre, gros boom, danse des griffes, et piégeur pro et pro du boomerang en talent. En termes de stuff, il est complètement en Rathalos, lui. Voilà, je me suis amusé à leur faire des full sets quand même. 138 et 32 de feu en tranchant bleu. Et 62 et 112 en défense. Donc là, ça sera feu, glace et eau en positif. Et foudre et dragon en négatif, du coup. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit. Pour cet épisode, nous allons faire un Yann Garuga, qui est normalement de rang supérieur. Et le Kirin, qui, lui... Et ben, c'était une petite quête que j'avais gardée de côté parce qu'elle était toute seule et triste et que j'allais pas faire un épisode pour une quête. Et du coup, celle-ci, normalement, devrait être de niveau inférieur. Normalement. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. À part ça, j'ai pris des pièges et compagnie. Rien de... Bah, des choses, en fait, assez standard. Et en termes de talent féline, j'ai Féline Forgeron. Voilà. J'ai fait à peu près le tour, maintenant que je vous ai pas mal saoulé, tout ça. On va quand même se donner à faire les quêtes. Ce serait pas mal. Du coup... Et bien j'ai 3 quêtes à ma disposition, avec aussi le Kirin qui s'amuse à disparaître, réapparaître, tout ça. Les champis spéciaux Yann Garuga et Ren Celtas, et là, on va pour Yann Garuga. Gare au Yann Garuga. Colline jour, pas de quête secondaire, pourquoi pas, dans tout le cas j'aurais pas besoin de breuvage, et ça c'est cool. Colporteur, un Yann Garuga a failli m'avoir pendant ma tournée. Depuis, je me fais un sang d'encre pour mes amis et tous les autres habitants de la région. Pouvez-vous le faire déguerpir? Et bah, on va s'en occuper tout de suite, allons-y. Visiblement on apparaît toujours au camp. S'agit-il d'une quête inférieure? Ça me paraît très bizarre quand même. Très bien, bon, je vais prendre une petite ration et on va voir ça tout de suite. Bonjour! Ah bah voilà. Tout de même. Est-ce qu'il crie? Non! Putain, il veut m'attaquer direct quoi. Ok, j'ai compris. Ah voilà. Cela n'aurait tardé, n'est-ce pas? Là, tu peux me sauter dessus, faire ce que tu veux. Au moins, je suis content d'avoir Bushido. Oh déjà. Fais-le comme il faut, au moins. Oh, vilaine bête. Je. Vas-y, éclate-toi la face. Non. Wouhou. Et hop. Ça m'étonne que je l'ai pas fait flinch. S'il était vraiment de rang inférieur. Enfin, de niveau inférieur. On va voir.
Il a pas l'air de faire énormément de dégâts. On va voir. Ouh. Bon, forcément, s'il met plein de coups, ça fait mal quand même. On va pas se cacher. Bonjour, c'est pour faire des crêpes? Non. Arrête. Mais je... Toujours un plaisir d'être à moitié sur le côté et de se faire laminer quand même. Ouais. On est plutôt pas mal. Ah, les Yengaruga, grand plaisir. En plus, avec une morpho. Alors, normalement, en Bushido, je devrais y arriver quand même. C'est pas possible. Ouais. Yes. Ah. J'ai encore ma charge rapide, mais... Mais, d'accord. Mais ma petite jauge a encore de la place, dirons-nous. Je peux encore taper le beaucoup. Ah bah là, tu fais ça, mon coco. Oui. Aïe. Oh. Non, ça ne fonctionne pas avec moi, ça. Bon, mince, mes deux chats sont morts. Bleu dragon français, veuillez vous soigner, s'il vous plaît, incessamment sous peu. Bonjour. Est-ce que c'est pour faire des crêpes, bordel? Charge rapide 2. Ça sert pas grand chose, mais je suis content. Ouais. Mais what the fuck? Comment ça se fait qu'il touche ici alors que son bec est complètement pas là, quoi? Arr. Ricochage en plus. Et là, faut que je guise. Ça va, le tranchant dure un minimum de temps. Ça va pas être trop problématique. En somme toute logique. Tiens, si j'arrive à couper la queue, je serais plutôt content. Tiens. Mais c'est pas dit. Ah, quoique. Quoique. Tiens, tiens, tiens. Yes! Sérieux? Aussi facilement? Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Bleh. Victime bolossée. Par Yengaruga fatigué, c'est triste. T'es sérieux là? Arrête. Arrête, arrête. Bam. Juste ma charge rapide 2. Pataclope, pataclope. Yes. Ça va, je vais gratter un petit peu de temps en temps. Tout va bien. Allez, si j'arrive à le refaire tomber, je suis content. Ouh, une flash. Flash dans les yeux, mais je sais pas si ça l'a touché en vrai. Non, tristesse totale. Non. Merde, je refonce sur l'attaque. Nul. Arrête. Ouille. Quoi qu'il advienne, ça reste un monstre relou. Le type non sympathique et non amical. Oh mon dieu. Oh putain. Ah, il fait chaud. Charge rapide. Putain, ça remet toute la jauge, quoi. Tranquille. Oh non, je l'ai pas marqué. C'est pas grave, on va le faire au jugé. Il est là. Bonjour. Alors déjà, on va régler un petit problème. Voilà. Non mais quoi? Quoi? Alors, excellente idée là, bon Sonic, hein. On se l'accorde. Avant que je règle certains talents de mes petits chatons, c'est pas mal. Bam. Ouh là là, bonjour. 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 C'est bon. Il est temps de guiser. Vas-y, Blue. Alors, je sais pas, je crois qu'il est possédé. Qui fait... Il est parti? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est en l'air. D'accord, au revoir. Oh, un petit électrochoc X. Génial. Oh, il a soif. Ouais, mais t'as du feu dans la bouche. Tu vas tout faire évaporer, non? Ça pourrait être très logique. Ah putain, la jauge, elle remonte vachement vite. En fait, limite, j'aurais pas eu besoin de prendre charge rapide 2, quoi. Oula. Ah. Ah. Pourquoi? Ah oui, mais non, c'est... effectivement, ça marche pas sur... Pas trop mal sur lui, là. C'est la tristesse totale. Ouh, il y a des choses qui se cassent là. Doucement, doucement, doucement. Bushido! Yes!
Alors, tu vas voir mon coco là faire ça là. Alors, charge rapide 2. Yes! Ah, ça c'est les choses que j'aime bien ça. Oh! Je n'oserais pas t'en aller quand même. Non, je n'y arriverai pas. Au revoir. Il y a des petits shiny partout là, qu'est-ce qui se passe? L'arme de Guberne. Très bien. Et ça c'est quoi? Écaille Roya Plus. Pourquoi pas, ouais? Ah, donc c'est bien du plus, voilà. Bonjour! Tiens. Oui, que fais-tu? Ne voudrais-tu pas mourir plutôt? Oh merde, c'est bon. Putain, j'ai cru qu'il allait me foncer dessus sauvagement! Ah! Mais! Ça va, attaque mes chats, y a pas de souci. Ah! Un petit décès, ouais, yeah. Petit dépassage en règle. Ekai Garuga Plus. Crinière Garuga. Ekai Garuga Plus. S'agit-il d'un shiny de petit chaton? Poche secrète, oui. Du coup, nous avons réussi pour ce petit Yen Garuga. Yes. Alors, Garuga Plus, cuirasse, os de Wyvern, os acero. Oreillette et El Garuga. K.O. Non, pas juste avec 3 points, c'est mort. Argent des points. Oui. Le petit dialogue, garde de Dondorma. Ah, je vous attendais, je savais bien que vous mèneriez ma mission à bien. En guise de remerciement, j'ai appris à l'artisan comment créer de nouvelles équipements. S'il arrive quoi que ce soit d'autre, j'espère pouvoir faire un nouveau appel à vous. Peut-être ouais, pourquoi pas. Bonjour, c'est pour faire des crêpes. Je vois que t'as travaillé dur pour les Hachkokoto récemment. Voilà par la peine d'apporter ça à la forge. Ah non, pourquoi tu me donnes un ticket là? Alors du coup, voyons voir pour cette quête. C'est électrique. C'est électrique. C'est électrique. Alors, tu es le Kirin, frontière ennuyée, pas de quête secondaire, d'accord, pas besoin de breuvage non plus du coup. Érudit célèbre, des événements mystérieux ont lieu à la frontière jurassique. Jurassique. Troublant, non? Il s'agit peut-être de bêtes mystiques. Vous devriez aller voir par vous-même. Pas de soucis, je vais aller voir par moi-même. Allez, c'est parti! C'est parti, alors. Des choses tout à fait standards, pourquoi pas. Petite baissoin, pourquoi pas. Alors du coup, je me suis mis avec Avatar du Démon 2. Tiens, il commence là. C'est original. Pourquoi pas. Bon alors là, il faut, je pense que je vais faire n'importe quoi, mais... C'est pas grave, on a l'habitude que je fasse n'importe quoi de toute façon. Allez, il fonce. Bon déjà si... Il arrêtait d'être possédé, ce serait pas mal. Pourquoi j'ai choisi cette arme? Je ne sais pas. Pourquoi? En plus pour un Kirin. Là c'est rigolo, c'est parti. Allez. Ah. Effectivement, c'est vrai que c'est une quête inférieure parce que je prends vraiment pas beaucoup de dégâts. Alors que je suis censé être sensible à la foudre. Je précise. Tout de même. Tac. Boum. Non, ça peut être possible. Tiens. C'est pas si je ricoche, hein, ça fait toujours des dégâts. C'est ce qu'il faut se dire là. Ziou. Par contre, je vais recharger et rester en mode H, histoire d'attendre avant de repasser nouveau en mode épée. Parfait, ça. Tiens. Et tiens. Non, fais pas le fou. Fais pas le fifou. Tac. C'est pas grave. Je prends des tartes. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Arrête. Ne fonce pas dessus, ok? Arrête. Le mec qui a peur, putain. Oh, mais non. Voilà. J'en ai marre d'être un super guerrier. J'en veux plus. Oui. Boum. Kink. On va quand même essayer de récupérer le tranchant vert. Ah non. Ah. C'est pas vrai. Il pousse dans l'autre zone ou pas? Arrête. Il est un peu énervé, je trouve. Ah, mais il ne l'est plus! Je crois. Et reviens par là, s'il te plaît. Parce que là, dans le champ de zone, on va pas se cacher. C'est pas tip top. Cette affaire. Tiens! Ah, mais non! Bon, j'ai bientôt mon avatar du démon 2. Tiens! Oulala, là, ça continue en plus. Wouhou! Tiens! Ah, ça, c'est un moment pour. Ah, ta bam! Un moment de type ça fait plaisir. Bon, c'est pas grave, je recharge, je vais prendre un coup. Hop.
Tant pis, mais je vais avoir mon avatar du démon. Oh mon dieu! Ouh! Et bien, il est méga énervé. What the fuck? Est-ce qu'il a laissé le temps de charger au moins mon truc? Yes! Super power! Non! Mais quoi? Ça touche vachement loin. What the fuck? Ah! Arrête, s'il te plaît. Oh là 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 là. Ah, par contre, il va vraiment me... Oh mon dieu! T'as la vache! Ça craint un petit peu du boudin, là. J'ai un peu pas beaucoup de vie, on va pas se le cacher. Je ne mourrai pas contre un monstre inférieur, c'est mort. On sait bien que ma barre a diminué toute seule, là, et je peux pas le frapper parce qu'il est complètement fou. Voilà. Allez. Ouf. Ouf. Ah, et moi je fonce dedans, ah. Nul. Oui. Tiens, ça fait mal, hein, salaud. Tu vois, c'est qui le patron? Ah, mais non. Bon, ça va m'échapper des petits boomerangs, c'est magnifique. Ah, mais non, je suis encore étourdi, j'en ai marre. Ah, tout ça parce que je suis un super guerrier, quoi. Pas possible. Tiens, 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 tiens. C'est ridicule. J'espère vraiment que je fais plus de dégâts, même en ricochant avec l'avatar du démon 2. Oui, je suis possédé, des fois je tire dans le vide, j'aime beaucoup. Ah, 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 je le fais tomber, et puis moi aussi, il me fait tomber. Nul. Tiens, tiens, tiens. Non, oh, putain, c'est pas vrai. Nul. Arrête. Fais pas le fou, fais pas le fou. Hein. Je suis là, hein. Tu sais ça. Ah, j'ai peur. Bon, je vais faire ça avant de recharger, histoire de profiter quand même qu'il soit par terre. Oh, je vais casser sa tête. Ça, c'est cool. Il est pas content, parfait. C'est pas grave. Est-ce qu'il va me laisser le temps déguiser? Ça, c'est pas sûr. Arrête, c'est bon. Arrête. Là, tiens, tiens. Oh, une bombe juste à côté. Boum. Nice. Ah. Wouh. Yes. Yay. Ce jeu de jambes. Alors t'es gentil. Merde quoi. Tiens. Oh sérieux? Eh ben oui. Comme quoi, bah c'est une quête inférieure. Il meurt quand même assez vite. Po Kirin, très bien. Rainier Kirin. Et enfin le Po Kirin. Parfait. Et bien du coup nous avons réussi ce petit Kirin, donc c'est parfait. Alors, Po Kirin, crinière, peau, cristal de lumière, crinière, charme étrange, un œuf d'argent, pourquoi pas. Sphère d'armure, certificat du héros et corne Kirin, super. Ah merci Yuki pour cette herbe, j'apprécie beaucoup. De magnifiques charmes Balvel, qui sont un petit peu caca d'ailleurs. De l'argent, des points, ouais. Tiens, pourquoi tu veux me parler toi? Vas-y, fais voir. Chef Bernard. Vous voilà, comment faites-vous pour savoir quand j'ai du travail à vous confier? Cette nouvelle quête s'annonce extrêmement difficile. C'est un bon moyen de faire vos preuves. Vous la trouverez signalée comme quête 6 étoiles au comptoir des quêtes bonne chasse. D'accord, mais on va voir d'abord les autres dialogues. Alors qu'est-ce qu'il y a, monsieur chef Cocoto, là? On a fait du chemin depuis que t'arrives ici, Bleuzaï. T'as presque fini toutes les quêtes. Mais prends pas tes aises, parce que j'ai une petite quête spéciale rien que pour toi. Elle est réservée aux héros. Prépare-toi avec les quêtes grand camp avant de commencer. Quoi? Écoute les conseils d'un vieil homme, sache comme moi, prends pas cette quête à la légère. Qu'est-ce que... Avancer, colère des rats, quête village 6 étoiles. D'accord. Ok, pas de soucis, on va voir un Yukumo du coup. Alors qu'est-ce qui se passe madame chef Tan Yukumo, qu'est-ce qui se passe? M'impressionnez toujours chasseur, les villageois vous apprécient beaucoup. Vous remplirez la dernière tâche spéciale que j'ai préparée pour vous. C'est une requête plutôt difficile, surtout comparée à celle que vous avez déjà reçue. Hmm? Vous restez imperturbable. Peut-être avez-vous deviné ce que je vais vous demander? Peut-être pas. De Carib dans Sia. Oh, à tous les coups ça va être une quête multimonstre, un truc comme ça, ça. Très bien. Alors du coup, je vous préviens, l'épisode 61 a déjà été tourné et j'ai déjà fait la Reine Celtas et les 20 champignons spéciaux. Pourquoi? Parce que le Kirin n'y voulait pas apparaître et qu'il a paru après. Du coup, voilà, c'est très rigolo, très drôle. Mais voilà, on va voir au moins qu'est-ce qu'il y aura après l'épisode 61 du coup. Pas mal de quêtes d'un coup, d'accord. Donc du coup, Arzuros, Mephistio, Zamtrios que je débloque en faisant l'épisode 61, lol. Wouah, c'est quoi cette quête? Avancer force fait loi. What the fucking fuck? Alors ça va carrément faire un épisode complet. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette quête? Évolution constante, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Colère des rats, oh mon dieu, Ratalos d'argent, Ratian d'or, waouh. Et Devil Joe, Tigrex, Nargacuga, oh mon dieu.
Waouh! Cette montée en puissance d'un coup! Waouh, la vache! Très bien. Et bien du coup, en espérant que ce petit épisode vous aura plu, au prochain coup, du coup, il y aura Rennes Celtas et champignons spéciaux. Et puis du coup, et bien, je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci encore et salut, salut tout le monde! Tchou!